grammes de beurre. Donc là, on fait la pâte à choux. La pâte à choux, voilà. On va chauffer l'eau et le beurre. Je vais mettre un peu de sel. Et un pincé de sel. Il y en a qui le met, il y en a qui ne le met pas. Mm-hmm. Ça dépend, chacun. Après un demi-litre d'eau, pour les œufs. Je vais faire dessécher la pâte. On dit qu'on fait dessécher la pâte. Dessécher la pâte. Là, on voit que la pâte ne colle plus au bord de la casserole. Un par un, les œufs. Voilà, un par un. Hein. Pour finir, Elle est belle, hein? Et on utilise tout l'espace possible. Ouais. Ça passe combien de temps au four alors? Il faut à peu près, ça dépend les fours, une demi-heure. Une demi-heure à 200 degrés. Voilà, une demi-heure maximum. Et le dosage, c'est combien de chocolat pour... C'est au fur et à mesure, ça dépend. Chacun a sa technique. Et... Mm-hmm. Ah, vous enfoncez la bavine. Oui, il faut foncer comme ça. Et ouais. Là, on sent que l'éclair il est bien garni. Mm-hmm. On va mettre la touche finale, c'est-à-dire la finition et le fondant. Oui, le fondant, oui. Alors, le fondant, c'est du sucre glace avec du blanc d'œuf. Avec du blanc d'œuf. Il faut bien mixer, il faut qu'il soit bien monté. D'accord. Voilà. Et du chocolat.